Alors bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la revue d'une de mes montres automatiques de la marque Frédéric Constant. Alors commençons un petit peu par parler de la marque Frédéric Constant, qui est une marque relativement méconnue, à tort selon moi honnêtement, parce que c'est une marque vraiment de très bonne qualité qui fait des montres avec une excellente degré de finition. Euh, donc Frédéric Constant c'est une marque suisse, hein, qui est d'origine de Genève, qui a été rachetée et qui appartient maintenant au groupe japonais The Citizen, un peu comme une autre marque de montres que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alpina. Bien qu'elle appartienne au groupe de Citizen, c'est une marque de montre qui est totalement indépendante et qui fait ses propres produits, et notamment des calibres manufacture, donc fabriqués par Frédéric Constant. Ce qui n'est pas le cas de cette montre, hein, qui a un calibre, on va dire, un peu plus classique. Mais c'est bon à savoir que c'est une marque qui fait des calibres manufacture. Alors, au niveau de cette montre, parlons-en un petit peu. Donc, c'est une montre, en fait, qui appartient à la collection Blackline. Donc, la collection Blackline, c'était une édition limitée qui a été créée par Frédéric Constant il y a quelques années et qui était uniquement destinée à la vente en France. D'accord Donc, c'est une montre qu'on ne pouvait pas acheter, par exemple, dans d'autres pays. Euh, ce qui fait que, du coup, bah, c'est quand même une édition relativement rare. Bon, évidemment, sur le marché du gris, euh, on peut facilement la, la trouver ailleurs. Mais, en tout cas, c'est quand même intéressant de savoir que c'est une montre qui est... Initialement destinée au marché français. Alors parlons un petit peu déjà des dimensions de cette montre. Donc au niveau des dimensions, le cadran fait 40 mm de diamètre. Alors faut savoir qu'on pourrait plutôt la considérer comme une dress watch, hein. euh, donc finalement une montre habillée. Euh, donc 40 mm c'est plutôt on va dire dans le haut du panier des dress watch, mais c'est justement pour moi la bonne limite. Au niveau de l'entrecorne, on est sur du 20 mm. Donc, pas de souci là-dessus non, non plus, hein. 20 mm c'est vraiment la, la taille standard pour les, les entrecornes, hein. ça permet facilement de pouvoir changer avec tous les bracelets qu'on pourrait avoir en stock. Euh, et au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment fin, alors j'ai pas l'aspect exact, mais comme vous pouvez le voir à la vidéo, euh, c'est une montre qui est très fine, euh, je pense que l'épaisseur est largement en dessous de 10 mm. Donc, à nouveau, ça correspond totalement aux critères de dress watch et ça passe très facilement sous une chemise. Donc, voilà pour les dimensions. Alors parlons maintenant un petit peu euh, du mouvement. Alors le mouvement ici, donc évidemment, est automatique. On peut remonter à la couronne. Euh, donc on a un verre saphir devant et derrière sur lequel on peut voir ce mouvement. Donc c'est un mouvement qui est relativement joli et bien décoré par Frédéric Constant. Euh, on peut voir d'ailleurs les petites côtes de Genève et puis le, le balancier en couleur dorée. Donc ce mouvement, qu'est-ce que c'est donc, déjà, c'est un mouvement à cœur ouvert. On peut voir ici euh, bah, le mouvement en pleine action, ce qui est plutôt joli. Alors, ça, les cœurs ouverts, on aime ou on n'aime pas. Hein. Franchement, c'est vraiment une histoire, une affaire de goût. Euh, pas mal de gens qui s'y si connaissent bien en horlogerie vont vous dire que les cœurs ouverts, euh, c'est joli, mais on s'en lasse rapidement à force de les regarder. Et donc, qui préfèrent les montres plus simples sans cœur ouvert. Et bah, certains vont vous dire qu'ils aiment beaucoup. C'est relativement à la mode d'ailleurs en ce moment, les cœurs ouverts. On voit beaucoup de constructeurs en fer. Euh, c'est une affaire de goût, moi personnellement j'aime bien, mais bon voilà, rien de particulier à rajouter là-dessus. Donc sur le mouvement, c'est un mouvement classique, hein, un mouvement euh, Célita, donc SW200-1, euh, c'est le même mouvement qu'on retrouve chez euh, bah, pas mal de constructeurs à peu près du même niveau, comme par exemple Horis, euh, Christopher Ward, etc. Donc c'est du classique, c'est un mouvement qui ressemble beaucoup euh, au mouvement suisse ETA, bon, c'est suisse également, hein, Célita, mais on va le comparer finalement au concurrent du groupe ETA. Euh, alors, je vais revenir un petit peu maintenant sur le black line. Alors black line en fait qu'est-ce que ça veut dire bah, Tout simplement euh, qu'on met en exerne le côté noir de cette montre. Alors qu'est-ce qu'on appelle noir bah, Tout simplement on peut voir déjà que le boîtier a une couleur un peu particulière. Un petit peu justement couleur noire. Alors en fait, qu'est-ce que c'est bah c'est tout simplement un revêtement PVD titane, donc c'est un traitement qui a été ajouté euh, sur, sur l'acier de la montre pour la revêtir et lui donner un aspect noir. Alors, qu'est-ce que c'est que le PVD titane bah L'intérêt, c'est principalement euh, sa résistance en fait. On peut voir que c'est un matériau qui est relativement solide et ce revêtement va empêcher au maximum les rayures d'apparaître sur la montre. Donc, par exemple, cette montre, bah je l'ai depuis, euh, depuis quelques temps et grâce au PVD titane, j'ai aucune rayure. Euh, bah, qui est apparu sur, sur le boîtier, donc c'est plutôt appréciable. Alors, petit point noir par contre de ce revêtement PVD Titane, c'est que c'est un revêtement qui va me marquer. Alors marqué, euh, pas dans un sens définitif, mais qui va facilement prendre les traces de doigts, euh, qui vont rester du coup, euh, on va dire, plus que sur de l'acier, je trouve, euh, apparentes. Alors c'est pas gênant, il hein, faut juste prendre un petit chiffon et, et nettoyer pour les faire disparaître. Euh, mais en tout cas, pour quelqu'un qui est un peu maniaque comme moi par exemple, ça peut, ça peut déranger. Alors ensuite, le Black Line, ça se retrouve ailleurs, ça se retrouve déjà sur les index et sur les aiguilles, on voit qu'elles sont traitées de la même manière avec ce PVD titane. On le retrouve également sur le bracelet, Alors à savoir que le bracelet d'origine, c'est celui-ci que j'ai en main là, à droite. Euh, donc on voit que c'est un bracelet Ardillon avec le petit logo de Frédéric Constant sur la boucle euh, et un, un bracelet qui a un aspect, on va dire, euh, cuir, cuir tressé. Et qui est donc évidemment de couleur noire. Alors, moi j'ai changé le bracelet, j'ai mis un bracelet de couleur brune, euh, avec des petites surpiqures blanches, donc, que j'ai trouvé sur internet, et surtout qui a boucle déployante, euh, parce que je trouve ça vraiment sympa, les boucles déployantes, surtout sur des dress watch, comme ça, ça fait tout de suite plus habillé. Et puis également, bah, parce que je trouve que les boucles déployantes, ça abîme moins le cuir, les, les boucles ardillon, euh, ça a quand même tendance, je trouve, à, à, à pas mal abîmer le, le bracelet. Et donc là, ça, ça préserve, on va dire, un peu plus le bracelet sur, sur sa durée. Voilà. Euh, que dire d'autre Ah oui, alors du coup comme elle est toute, toute noire, cette montre, bah honnêtement, avant de l'acheter j'avais une crainte sur la lisibilité de l'heure. J'avais peur que du coup, comme le cadran est noir, comme euh, les aiguilles sont noires, les index sont noirs, etc., bah j'avais peur de ne rien voir. Honnêtement, euh, bah, cette crainte finalement ne s'est pas du tout réalisée, parce qu'on peut voir que les index et les aiguilles, euh, bien qu'ils soient noirs, hein, je vous le garantis qu'en réalité ils sont noirs, bah, en fait euh, au moindre reflet de lumière, ils prennent tout de suite euh, une teinte blanche argentée qu'on peut voir ici à la vidéo, ce qui fait qu'en fait il n'y a vraiment aucun problème de lisibilité dès qu'il y a de la lumière. Alors évidemment quand on est dans le noir... Comme il n'y a pas de, de Luminova sur la montre et que du coup il n'y aurait pas de reflets, bah là on ne peut pas lire l'heure. Bon après c'est pas forcément gênant sur ce type de montre. Euh, normalement, il n'y a pas de raison de lire l'heure la nuit avec une dress watch. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, il n'y a vraiment euh, finalement aucun problème de lisibilité, ce qui me faisait peur au début. Ensuite, sur le cadran lui-même. Alors j'essaye de bien faire un zoom dessus. Alors ce cadran, on voit qu'au centre, il est euh, noir, mais c'est un noir un peu particulier. C'est vraiment pas un noir mat. Alors au centre, on a des dessins un petit peu guillochés, comme on voit, un peu en gaufrette, ce qui est vraiment très joli. Autour de, de, de ce centre principal, on est plutôt lisse, avec vraiment une texture particulière. C'est vraiment difficile à décrire comme ça, il faut vraiment le voir pour, au réel, je veux dire, pour bien se rendre compte de tous ces, de tous ces aspects qui changent vraiment à la lumière. On passe d'un noir à finalement un gris anthracite assez lumineux. Euh, je ne vais pas dire presque soleillé même quand on a vraiment des beaux reflets j'espère que, que vous pouvez le voir à la vidéo et ce cadran noir est vraiment de toute beauté on retrouve ici euh, euh, à mon sens le, le haut degré de finition de la marque frédéric constant que, que j'apprécie beaucoup voilà euh, donc ce modèle comme je le disais relativement rare exclusif du fait que c'est une, une série limitée qui maintenant n'est plus disponible sur le site de frédéric constant vous pouvez plus la retrouver il n'y en a plus en stock euh, ce sera que sur le gris, donc c'est toujours intéressant d'avoir un modèle un petit peu collector. Euh, hop, et puis je vous montre ce que ça donne au poignet. Alors, pas facile avec la boucle déployante. Pas totalement bracelet, mais voilà ce que ça donne à mon poignet. Donc je vous rappelle que mon poignet a un diamètre de 17 mm. Donc cette montre tombe vraiment bien. Euh, vraiment bien à mon poignet, bon j'ai pas refermé le, le petit truc là avec avec la boucle mais c'est juste pour vous montrer rapidement ce que ça donne à mon poignet, il euh, y a vraiment une taille idéale, on voit la finesse hein, qui, est, qui est vraiment euh, euh, très belle sur cette montre hein, avec moins de 10 mm d'épaisseur, euh, ce bracelet qui je trouve va vraiment très bien, un brun foncé comme ça va vraiment très bien avec la montre, bon ça, ça, ça casse un peu le black line comme je le disais parce que du coup bah, on a plus de noir sur le bracelet. Euh, mais voilà, c'est vraiment, je trouve un modèle, un modèle intéressant, euh, euh, parfaitement classe, habillé. Alors au niveau du prix, j'en ai pas parlé, je crois. Euh, donc c'est une montre qui a un prix, on va dire, de base, un tarif catalogue, qui tourne entre euh, 1300 et 1500 euros, je crois que c'est 1300, 1400, quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc c'est un prix qui est quand même un petit peu élevé, mais honnêtement, par rapport à la qualité et au degré de finition de cette montre. Euh, c'est totalement mérité à mon sens et, euh, euh, et voilà, ça justifie. Alors la seule chose sur laquelle je n'ai pas encore la réponse et, et aucune certitude sur cette montre, c'est ce, ce traitement PVD titane dont on a parlé. Euh, certes, il donne un aspect bah, relativement joli et un peu particulier au design de cette montre, qui va très bien du coup avec le, le Black Line, mais je ne sais pas comment ça vieillit dans le temps. Est-ce que bah, ce revêtement va disparaître progressivement et va laisser apparaître bah, l'acier derrière Ça, je ne sais pas du tout. Euh, à voir comment ça vieillit. Peut-être que bah, euh, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez un petit peu ce type de traitement, vous avez déjà un, un rétexte, on va dire, dessus et que bah, vous pouvez le partager dans les commentaires. Euh, ça sera intéressant pour tout le monde. Euh, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde. Ciao